Donc allons-y. J'ai remarqué que Rhyme, le son était pas fort hier sur le replay. Ah, toi, t'es le premier. Et en fait, j'ai un truc, c'est j'aurais des icônes. Tu disais que je peux mettre sur chaque personne des couronnes, des machins, mais je les ai. C'est seulement quand j'aurai au moins, je sais plus, 50 ou 75 followers, je sais plus. Et c'est seulement à ce moment-là que je pourrais te donner un truc VIP. Y a quoi? Fondateur aussi, il y a des icônes fondateurs, je crois. Fondateur de la chaîne et tout. Voilà. Ouais. Garantie, tu l'auras. Évident. Alors, je sais pas, t'étais parti hier un tout petit peu avant la fin et j'ai débloqué cette tête de robot. Ah oui, tu peux être modo, il n'y a pas de problème, hein, si t'as envie. Donc j'ai récupéré cette tête de robot, c'est plutôt sympa. On y va. Modérateur. Ah, j'avais pas vu. Modérateur. Ah, je crois que c'est juste avec un O en fait. MO. Alors attends, je vais là et je vais crier un coup. Ouais, il faut que je regarde exactement combien coûtent les actions dans Twitch. Il y a des niveaux selon que c'est une toute petite action de rien du tout ou un gros bruit qui fait sursauter. Il faut que ce soit un peu le prix soit. J'avais vu les gens, ça commençait à 100 de la monnaie, ça fait quoi? 100, 300, 500, il y a même des trucs à 1000. Ouais. Alors attends. Oui. Ah tiens. Ça va, on voit toujours. On reçoit bien le son et tout. Normalement, le son là, il est plus fort qu'hier. Oh. Maintenant, il commence à faire du bruit, pépère. Je vais le réactiver. J'avais besoin d'un robot pour m'aider. Ouais, j'oublierai pas de te mettre sur un. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Le son est bon, ouais, ça va. Attends. Ah oui, j'ai remarqué que quand je mets quelque chose ici, moi ça fait qu'on se déplace sur des carrés comme ça. Quand il y a une tranchée dans le mur comme ça, bordée de métal, si jamais j'ouvre cette porte et que je rentre, je vais pouvoir me téléporter là-haut. C'est comme un ascenseur instantané. Ah bah tiens, j'ai ça. Je vais pouvoir activer ça, moi. Ok. Oh. Je m'y attendais pas à ça. Pas bientôt. La rentrée, c'est pas tout de suite encore, non? Quand même, vous commencez début septembre. Hein. J'avais envie de finir le jeu, alors je sais pas, d'habitude j'envoie des. Enfin, je signale que je démarre un stream, je mets des sur Twitter, là, bon là j'ai rien mis quoi. Ah, ça marche, t'as vu Wisebot? Ça c'est utile comme le petit lien qui explique. Bon, c'est un format légèrement condensé quoi, en fait je coupe. D'ailleurs, il faut que je fasse le montage pour les vidéos de Rhyme, de Bookwalker. Ah mais toi ça va être. Si j'active ça, ça va être temporaire. Ah voilà, si. Du coup je suis à l'étage. Je suis monté comme ça. C'est un ascenseur mais ultra rapide. Wow. Oh.
Oh, il est pas très sûr sur ses jambes. Ah, c'est une voix. Il y a une voix féminine qui chante comme ça derrière. Je sais pas si tu as fait les jeux Portal. Tu connais? Portal 2, Portal 1. Attends, ah, je vais pouvoir activer ça. Il faut que j'arrive à amener mon bloc ici. Ça va être possible, ça? Allons-y. On va le chercher. J'aime bien cette petite idole là, cette petite sculpture. Ce serait assez cool d'avoir une impression 3D. Surtout quand elle bouge la tête là. Bon, arrêtez de... Ouais, ouais, Portal, c'est cool. Les jeux Portal... Attention, tu... Oh la vache! Ah, c'était impressionnant. Hey. Ah, puis c'est pareil. Hier, j'ai fait un... Quand j'ai terminé le stream, j'ai oublié de... J'ai pas pensé, en plus, il y avait 4 personnes et j'ai oublié de faire le... de faire un raid, quoi. En plus, il y a des gens qui m'ont fait un raid et je devais... Je sais pas s'ils étaient en ligne. J'aurais pu leur rendre l'appareil, mais... Oh, me suis quand j'ai ça. C'est cool. Ce qu'on va faire, mon bonhomme, c'est qu'on va... Ça lui a fait du bien? Ah ouais? Je vais amener le cube là-haut. Non, et dans Portail, il y a cette voix là, Gladys, GLaDOS, pas le, l'intelligence artificielle qui... Ah oui, je peux pas amener le cube, bravo, gros malin. C'est lui qui sert à ouvrir le truc. Bon, Coffire. GLaDOS, je ne sais plus. Là, une idée, alors, il faut que je trouve une idée, là. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Bon, et visiblement, il me suggère d'utiliser la boule sur le robot. Je peux ou pas? Il va me suivre en fait. Ah, c'est assez cool ça. Waouh. Est-ce qu'il est capable? Est-ce que vous avez besoin de gâteaux humaines? C'est ça. C'est un peu méprisant, hein. Est-ce que tu peux? Bon, il tremble toujours un peu sur ses jambes, donc c'est pas ça que je dois faire. Que faire? Je vais aller voir si je prends cette boule et que je monte à l'étage, peut-être j'ai quelque chose. Ah, peut-être je peux le faire me suivre, mais à condition de, par exemple, jeter la boule. Non, je me suis trompé. Trompé de bouton. Tu vois, t'es niveau quoi, 19? Ouais, c'était marrant, Portal. Et en plus, il y a tellement de maps sur... comment ça s'appelle, le... Ah, il veut pas le jeter? Ok. C'est fait exprès. On ne peut pas. Il y a un symbole de robot sur le sol que j'ai pas vu. Ouais, ça j'ai déjà activé, tu vois. Ah, mais... Ah, oh, t'as... Ok.
Oh, j'ai compris. Ça s'active si le robot il marche comme un cube. Comme ce bloc là. Donc on va faire un truc. Super. Bien de comprendre. Parce que c'était des symboles qui ressemblent à des blocs quand même. Hein. C'est pas écrit robot, mais... Donc je fais ça, je pose. Et ça marche. Et comme ça, je peux aller à l'étage poser ce bloc. On y va. La grosse porte. Il va y aller tout seul. Ah bah, et si tu t'en vas, vieux, ma porte va se fermer, hein. Moi, je vais pas pouvoir descendre. Il est parti. Ah, ma porte est ouverte. Ok. Bah, il faut que j'y aille. Ah, ou je peux peut-être sauter direct, moi, je... C'est vrai. Bon. On peut le tenter. Oui, on va plus vite. Excellent. Bon, il va tout seul. Il va sauter. Yes! Moi je passe ou pas? Je suis trop petit, attends-moi. Attends-moi copain. Alors... Bon, je vais passer par là, moi. J'essaie de lui ouvrir. Ok. Je vois un mécanisme. Ah bah tranquille. Clac. Bah il me détruit un doigt de pied moi. Dans cette histoire. Ça rentre dans le sol comme ça. Faut prévenir. Hein. C'est marrant, c'est les gros bruits de pas, ils sont pas. Je rêve pas, les bruits de pas, ils sont pas synchronisés avec sa marche. À moins que ce soit un problème avec mon son. Je ne sais pas. Mais la musique est bien. C'est assez classique, elle fait bande originale de film plutôt que musique jeu vidéo, mais... Lui, j'ai intérêt à pas me mettre devant lui, hein, parce que... Il pilonne le sol. D'accord, donc on revient sur des endroits où j'étais tout à l'heure. Et ouais, où justement j'avais besoin d'un robot, je ne sais plus comment. Ça me semblait que c'était indiqué. Ok. Ah bah oui, il a activé ça que je ne pouvais pas activer. Et ça va me permettre de monter à l'étage, mais dans une autre pièce. Allons-y. Ça, c'est l'ascenseur magique. Donc je suis à l'étage, je vais le voir là. Il est en bas. Il est en dessous de moi. Et que faire ?
Bon, je pense que je dois sauter. Wow. Non, erreur. Si? Oh, j'ai raté mon coup. Non, non. Je te fais juste utiliser la boule. Et bien sûr, je l'ai laissé tomber. Je vais reprendre une note. Allons-y vite. Ah, le bruit des pas est synchro pour toi? Tiens. Allez, les mecs. Paf! Ça décape. Oh, une autre boule, il me faut, je pense. Ouais, c'est certain. Je trouve extrêmement varié ce jeu, je sais pas comment expliquer, mais... Bah si, c'est plutôt simple. On est passé de ce ptérodactyle qu'il fallait... chasser, détruire en extérieur avec l'île à ce robot. Mais des fois il y a des moments où il s'arrête et j'entends toujours le bruit de ses pas. Et je sais pas si c'est un problème de mon... Parce que j'ai changé des choses en audio. Je sais pas si c'est un problème de mon audio ou... Ou pas. Peut-être c'est juste chez moi. Voilà, j'ai bien entendu 4 bam 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 alors qu'il a juste bougé deux fois les jambes. Bon, ça doit pas être mon audio. Ok, mon grand garçon. On va t'aider à passer là, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le petit renard là, qui me guide. Je peux monter dessus ou quoi? Ah, il est passé. Ok. Non, non. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais monter. Oh, oui. Bon, je préviens de regarder ce que je fais. Ah oui, par l'escalier qui était là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mal orienté. J'ai chu. Juste un truc légèrement étrange dans ce jeu, c'est qu'il faut appuyer sur une touche pour grimper, pour monter comme je viens de faire. Et si jamais on continue à diriger le personnage en même temps, il grimpe pas, il continue à se déplacer latéralement même si on veut pas. Non, sérieux. Bon, je pense que c'est bon. Si je saute 3 mètres avant la fin de la plateforme, il y a plein de choses ici. C'est des endroits où je suis déjà passé, je pense. Ooh. En fait, non. Ah voilà, nouvelle salle ici. Où je suis passé tout à l'heure, mais... Euh...
ah, on était de l'autre côté, on a tout traversé. C'était... on, voilà. On arrive ici, et que faire? Il me faudrait une boule que... Ah, il y vient, il vient, il vient. Ouh. C'est vrai que lui, il active tout, tous les mécanismes. Ah oui, moi non plus, je me souviens. J'ai fait tellement de salles. Il y a cette drôle d'impression dans ce jeu, c'est de... Oh, il est là, le renard. J'ai l'impression presque permanente de ne faire qu'un dixième de ce qu'il y a à faire, quoi. Parce qu'il y a des ports, des salles de tous les côtés. J'ai l'impression de choisir au hasard et que ça tombe toujours bien. J'ai dit, oh, je vais partir à droite, je ferai de la gauche plus tard, et puis oh, ça m'emmène là, 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 là. Et en fait, je suis l'histoire, c'est drôle. Donc il y a des indications que mon cerveau suit sans que j'en sois vraiment conscient. Parce que regarde, je pourrais perdre du temps. Enfin là, je suis le robot, c'est facile, mais tout à l'heure, j'étais venu là. Où je pense qu'on va régler leur compte à tous ces spectres. Ça va leur faire les pieds. Enfin, les pieds. Qu'ils n'ont pas, qu'ils n'en ont pas. Ouais. Ouais, c'est ça, mais... je trouve que c'est très bien fait le level design, il est. Parce que. Est-ce qu'il va arriver à ressusciter ses collègues, lui? Ils sont tous en garde, là. Bon, je le tente ici. Ok. Il voulait juste que je l'aide. Attends une seconde, je vais mettre en pause. Je reviens tout de suite. J'arrive. Aïe. Ah, 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 ah. Je suis là. À peu près. Ça a marché. Je m'y attendais pas. Ah oui, j'ai mis des petits messages comme ça qui récapitulent les commandes.
Il me faut vite une nouvelle boule. Ah non, parez-vous les mecs. Ouh, il m'attaque. C'est fini, non? Je peux pas. Ah tiens. Ah par là. Ok. Si j'avais su, je l'aurais emmené avec moi la boule directement. Je pensais qu'il y aurait un distributeur un peu plus bas. C'est assez mystérieux. Ah, je vais arriver par là. Oui, je peux. Par contre, celui-là, il est un peu près, ce gars-là. Ok, c'est bon, la portée était suffisante. Ouais, toujours prendre la boule. Mais non, ce qui se passe, c'est que quand je porte une boule, je peux pas passer beaucoup d'obstacles. Même une simple marche m'arrête. Donc il faut vraiment que ça ait été prévu pour. On est venu là pour reconquérir. Ah non! Ah, laissez-moi! Trop près. C'est la migraine. Il faut prendre, il faut pas perdre la boule. C'est la moralité. Ne jamais perdre la boule. Bon les mecs là, j'arrive. Mais attends-moi enfin. Où sont mes doliprane? Ouais. Parce que dans ce jeu, il y a énormément de petits objets à collectionner, quoi. Qui doivent délivrer, qui doivent aussi révéler d'autres parties de l'histoire. Et j'en ai très peu. Et je me demande. C'est quoi? C'est dans bonus? Ah, j'ai des tenues différentes en plus. Des jouets. Ah ben j'ai trouvé des petits jouets. Des emblèmes. Que j'ai pas en entier. Mon petit renard, mon. Ah, elle est. D'accord, avec les cornes là, les conques, je débloque. Je débloque une musique. Ça, c'est ce que j'ai vu par les trous de serrure, j'en ai vu qu'un. Ben voilà, donc ça raconte un peu l'histoire, tu vois. Quelque part, je crois que je suis ce. Ce prince qui a disparu. Mais j'ai l'air un peu jeune quand même pour être quelqu'un qui a disparu longtemps. Qui a disparu. Tu as relancé une nouvelle partie de Red Dead. Ah, c'est bien. Et je. Ouais. Ah, tu vois, je peux pas passer partout avec la boule. Une simple marche. Ah, j'ai déjà été ici hier avec ce même problème. J'avais une boule et je ne pouvais pas repasser. J'aime beaucoup leur matériel qu'ils utilisent, le matériau de métal, il est superbe. De douleur. Ah mais c'est là que je devais le faire venir pour avoir son ombre là sur le mur. Bon, il est parti ailleurs. On va revenir là plus tard. Oui, en fait, je.
Tartinia, la capitale de Grillfood Diablé. C'est ça, oui. C'est vrai. Je réfléchissais aux possibilités, ouais. Après, je me demande s'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de délire, quoi. C'est de mettre des lores bizarroïdes. Ou peut-être ça se fait beaucoup. Oh, là-bas, il s'est passé quelque chose. Il a activé quelque chose. Ah, je peux pas. Donc, ça sert à rien. Vas-y, laisse-la tomber. Laisse-la tomber, bonhomme. Ouais, les grades, ouais. Ouais, je vais faire un truc de ce genre. Je vais... C'est vrai que je dois faire une espèce de lore associé à mon état de grippe. Hein. Bon, il est là, ça a activé quelque chose là-haut. Ah, ça c'est un viseur. Donc si j'arrive à monter, je peux faire quelque chose. Comment monter ? J'ai l'impression qu'il s'impatiente. T'as entendu le jappement du... Le renard, en général, il m'indique ce que je dois faire. Attends, je l'entends, mais... Ouais, de ce côté-là. C'est pas très... Ah bah, il est juste en haut, au-dessus. Ouais, ouais, j'ai bien compris, je dois monter là-haut, mais comment ? Oui, oui, oui. Il y a une porte. Il y a une porte. Je devrais sortir par cette porte qui est là à droite. Et arriver. Attends, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de prendre la boule là. Et avec au moyen de la boule, je peux activer le deuxième carré qui se trouve au sol. Non. Ah bah oui, bonjour. Hein. Bonjour. Il y a beaucoup de gens sur... Ah, on dirait qu'il y a un escalier qui va sortir là. Ah, viens bonhomme. Ouais. Enfin bonhomme. Viens ici. Parfait. Escalier. Je vais laisser la boule là pour qu'il ne bouge pas. Une fois que j'arrive là... ouais, c'est pas terrible. Donc je suis au bon endroit, mais... Je... Comment lui demander de revenir là où il était ? Mmh. Ok, attends, je vais descendre. Je pense que ça va pas me tuer. Je suis extrêmement souple et agile. Donc je vais juste me barrer. En espérant que l'escalier ne... Ah, c'est fait. Ah bah oui, parce qu'il... Non, il est resté là. Et le simple fait de faire ça... Si je crame la boule comme ça, je l'utilise... Il va retourner là où il devait aller, ok. Maintenant, mécanisme. Oh, c'est grand cette pièce. Que faire ? Oui, il faut que j'amène une boule là. D'abord. C'est une autre histoire. On va, du coup, on va plutôt passer par là. Hein. Ah. Quel est cet endroit ? Petit passage d'escalade. Ah, le lien de la chaîne ? Bah, en fait... tu veux dire la chaîne Twitch où on est dessus ? Oui, c'est ça. Je pense par défaut, la modération, elle empêche de mettre des liens.
Sinon, c'est la... c'est la modération automatique. Sinon, c'est la cata. Ouais. Du coup, c'est le bot qui le fait de temps en temps. Ouais, peut-être je devrais enlever le message sur cette monnaie virtuelle. Ça fait un peu... Bon. C'est le terme monnaie virtuelle qui me dérange, quoi. On dirait un truc payant, quoi. Alors que... Bon. En fait... pas du tout. Ouh. C'est vertigineux cet endroit. Ouais, c'est bon. Mais le bot, il va le faire. Tu sais, de temps en temps. Et non, c'est réglé. Il attend qu'il y ait au moins un certain temps qui soit passé, qu'il y ait eu pas mal de messages pour pas que ça se répète tout le temps. Enfin, c'est tranquille, ça se fait tout seul. Ok. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais le pousser pour le faire descendre. Youhou! Ah non. Ah bah non. Ah oui, j'étais en haut, j'ai fait que monter. Et j'arrive en bas. C'est assez balèze. Ouais, t'as pas besoin de le... te bile pas. C'est vrai que la chaîne YouTube, bon, c'est sympa, mais... Ouais, mais c'est ça, il y a plein d'endroits qui téléportent. Oui, la boule. Je vais chercher la boule. Pour la mettre là-haut, ça va reconstituer le deuxième pont. Avec ce deuxième pont, je vais pouvoir... je ne sais plus. Ça va reconstituer le... Non, même pas, ça va placer la boule qui va faire son petit... sa petite affaire, on va voir ce que c'est. Donc je pense que je dois la ramener au milieu. Pour faire ça, je dois déplacer le bloc. Et le bloc en question, je vais le ramener là-bas pour activer l'escalier. Comme ça, je peux y aller là. Ah, voilà. Et superposer. Donc. Il s'est passé quoi? Ah oui, là-bas. D'accord. Donc la boule qui était là sur le petit... comment dire, support, elle s'est transformée en cette chose gigantesque à l'autre bout. Ouh, y a pas mal de robots qui sont... Je vais peut-être les réveiller. Comment? Que faire? Ah, juste crier. Ça me fait penser aux arbres dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai oublié leur nom de...
ils sont en sommeil et couverts de mousse et on les réveille. Ouais, c'est à peu près ça. Et puis c'est des créatures antiques, des vénérables. C'est un peu ça, on est descendu dans un royaume un peu souterrain, et c'est là que règne... J'aime bien le mélange pierre... Il y avait la même chose sur le monstre qu'on a combattu à la session précédente. Une sorte de ptérodactyle, mais il y avait des parties de son corps qui étaient visiblement en pierre. Ok, il faut que j'en place un. Donc c'est là que je dois faire des ombres. Ah non, il est déjà placé. C'est moi qui dois venir là. La petite ombre, c'est la mienne. Ouh. Oh la vache. J'ai eu l'impression de... Ah, lui, il est mal en point. C'est celui qui était plié. Eh ben, il est toujours plié. Oh, le pauvre. Cette musique, elle peut s'écouter en dehors du jeu sans problème, quoi. Ah, il me semble qu'il l'a... D'ailleurs, qu'elle est disponible en dehors du... Soit comme DLC gratuit, soit payant, mais... On sent qu'ils ont fait travailler un orchestre. Hein. Ah, il y en a beaucoup là maintenant. C'est toute une espèce qui revit. Ah oui. Ah, et maintenant étage suivant. Et à chaque étage, il y a toute une... Toute une mythologie, quoi. On voit ce que j'ai fait. Au rez-de-chaussée, j'avais fait le ptérodactyle. Là, ce qui est dessiné sont tous les robots. Ah, je suis tout en haut. Sauf erreur, il n'y a plus d'étage supplémentaire. Ah si. Ah ah ah. Oui, c'est ça. Ça va activer l'escalier seulement quand j'aurai fini. Et le point de chargement, quand on voit les écrans de chargement entre les différents niveaux, ouais, on voit cette spirale qui se charge et c'est... C'est une représentation de cet escalier, je pense. Ah, puis je sais pas si t'as vu, le menu, il change en plus. Le menu principal change selon l'avancement dans l'histoire. Là, j'avais des robots. Avant, j'avais l'oiseau. Au début, j'avais juste le renard. Et encore avant, j'avais rien du tout. J'avais juste un ciel noir avec des étoiles. C'est la première image du jeu, en fait. Il est quand même chouette. Et moi, je dirais que ce jeu, il est plus fort que... Dernièrement, j'ai fait Planet of Lana.
Et je pense que ce jeu, il est plus varié, plus surprenant. Planet of Lana était pas mal, mais... Waouh. Ne va pas vers la lumière. Bah si. Il est tombé. Ça, c'est un flashback, quoi, un retour dans le souvenir du passé, non? Oui, voilà, ça me fait penser à cet escalier, mais c'est comme si on était dans la tour vue d'en bas. Et on regarde vers le haut de la tour et on voit les escaliers qui... ouais, le passé. Cool. Je savais qu'à un moment donné, je serais dessus, quoi. Et excellent. C'est l'Atlantide, les ruines englouties. Les fameux toasts oubliés derrière, qui sont tombés derrière le meuble de cuisine. Sont fossilisés. Alors attends, qu'est-ce que ça raconte là-haut? On me voit arriver par la gauche avec mon renard au milieu des spectres et des robots, et je vais me placer tout en haut de cette pyramide. Comment faire? C'est par là. Il y a des moments où j'entends moins fort la pluie. Là, je l'entends plus fort. Et là, moins. Bizarre. Comme si le son venait d'une seule direction. Oh, c'est fait pour me guider en fait. Mais tu vois, il y a plein d'escaliers. Ces niveaux sont fous. Il y a plein d'endroits où aller. Je prends toujours un endroit au hasard. J'ai l'impression. Hein. Non, en fait. J'arrive toujours juste au bon endroit. Oh, ah voilà le roi. Peut-être c'est l'histoire que je me suis enfui du royaume, j'ai fugué.
Oui, c'est ça, j'ai fui. J'ai fui et j'ai probablement rencontré une tempête. J'ai failli me noyer et j'ai dû perdre la mémoire. Je sais pas. Mais peut-être la tempête m'a emmené dans un futur lointain, en fait. Parce que il semble qu'on est des siècles après mon départ, quoi. Si c'est bien moi. Il a fusionné avec la porte, quoi, pour l'ouvrir. Schlack. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là? Ah, non, c'est fermé. Il faut que je trouve un moyen de monter. Et tu vois, le jeu m'amène où il veut, quoi. J'arrive, je suis le premier robot, je découvre que je vais pas pouvoir passer, je fais demi-tour et c'est à ce moment-là que l'autre fait son petit coup de pied. Et ça se passe vraiment de façon... C'est bien amené, quoi. Ils ont vraiment bien prévu les réactions des joueurs. Parce que j'aurais pu rester devant à chercher une autre façon de passer, mais non. Là, je suis descendu, j'aurais pas dû. Ah oui, bon, on va traverser en sautant. J'ai déjà sauté dans l'autre sens. Ok. Ouh. Je suis pas allé là, hein. J'avais mis dans la description que c'était le jeu était ensoleillé. Bon, ça a un peu changé. C'est le déluge. Allez les mecs. Qu'est-ce qu'il regardait de ce côté-là, le petit renard? Ouh, le vide. Spectre qui défile là. Ah, deuxième qui va fusionner avec la porte. Je vais voir ça de près.
Ouais, je pense que le soleil va revenir vers la fin, mais... Parce que le tout début, t'as pas vu, je crois que t'étais pas là. C'est super beau. Hein. Les couleurs de la mer et tout. C'est le dernier qui reste. Oh. Moi, je veux pas qu'ils se détruisent juste pour ouvrir une porte. C'est triste, non? Mmh. Faire quelque chose là-haut, on dirait. Je suis trop petit. Ok, ça j'avais vu ça au tout début. Ces statues-là sont inactives, il faut d'abord aller sur chacune des portes. Oui. Mais là, il y a vraiment quelque chose là-haut. Peut-être je peux le faire seulement à la fin. Parce que je vois mal comment monter. Je pense qu'on est parti pour un petit bout de temps sous la pluie. Bon, là, faudrait que je passe en vitesse. Est-ce qu'ils vont me laisser passer? Ça m'étonnerait. Hein. Là, c'est impossible. Ils n'ont pas peur comme avant de moi. Ils vont me tomber dessus. Tiens, ils ne réagissent pas. Oui, ils sont en pleine dépression. Ah ben voilà. Celle-là est active. Et ça va se transférer sur une des quatre en bas, ouais. Ok, la suite. Et quand les quatre en bas sont pleines, je pourrais... d'un cri, tout déclenché. Tu vois, au lieu de descendre, là, je vais au hasard, je passe par le... Et souvent, ça m'amène à quelque chose de... Ah, c'est immense. Ah oui, mais c'est immense, immense, de chez immense, quoi. Oh, voilà, et je vois le deuxième. Ça ressemble beaucoup à ce
Cet endroit où il y avait les vases, là. Et il va falloir que je trouve comment y aller. Comment monter là-haut? Facile. Je ne vois pas le... À quelle heure est-il? Il sait pas répondre à rien. Il est nul, ce bot. J'aurais peut-être pas dû descendre, en fait. Il valait mieux rester en hauteur. Ah, voilà. Ok, on remonte. Je vais faire un tour d'horizon pour voir un peu. Donc, j'en ai plusieurs d'actifs là. Ah. Si je fais ce tour par là, ici à gauche, est-ce que je peux monter là? Non. Ce serait bien de passer par là-haut. Comment traverser? En fait, les seuls endroits où je peux grimper sont toujours indiqués par quelque chose comme ça. Non. Le jeu des plus ensoleillés du tout. Mais alors, comment monter pour arriver tout là-bas? On va le tenter par là. Attends. Si je fais ça... Non, trop petit. Je suis trop petit. Donc probablement je dois descendre, tout traverser à pattes. Ouais, peut-être pas là. Aller le plus loin possible en hauteur, descendre quand c'est inévitable et continuer par là-bas. Ouais, je suis bien obligé de descendre là, voilà. Et on va chercher comment grimper. Peut-être de l'autre côté. Ah. Je vais voir le suivant alors. Le rayon suivant. Oh, on va se mettre enfin à l'abri de cette pluie. Oh là, je dois pouvoir monter.
Mais comment aller là-haut? Bah je vois là. Donc je dois arriver par là, par là. Je dois faire tout le tour des différentes colonnes. Ok. C'est un vrai défi. Ouais ouais, la musique, la pluie, ouais, tout est... Donc je dois revenir ici, tout en haut. Et pour ce faire... Je crois que je dois faire tout le tour. C'est un long chemin. C'est fait, j'y suis. J'ai pas vu le saut. Ok. Je dois aller où là? Ici? Oups. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Oh tiens. Bon. Un objet à collectionner, mais c'est pas ça que je voulais. Donc j'avais peut-être pas besoin de faire tout le tour. Je recommence. Peut-être déjà cette colonne-là, puis après sauter de l'autre côté. Ils m'ont eu. Oui, peut-être simplement aller par là, ça suffit. Voilà. Il faut que je sorte de cette pluie. C'est le moment nostalgique. En plus, elle est très bien faite, cette pluie. Ok, ma deuxième statue. Et mon petit fennec qui est tout trempé. C'est parti. Bon, la deuxième que j'ai passée, là, celle qui est là, sur la gauche, je dois pouvoir y arriver quand même. Là, je vais me ramasser. Et tu vois, et quand il arrive au bord d'une plateforme qui est trop haute, dans laquelle il pense ne pas pouvoir sauter sans se faire mal, il se met à descendre et se tenir au bout des bras, ça c'est... C'est bien fait, c'est bien pratique. Bon, je vais essayer de monter l'autre là-bas. Ah, un peu moins de pluie. Comment aller ici? Ah bah tiens. J'ai pris un mur. Comment monter ici? Faut arriver par là, mais... Il faut redresser ça, quoi. Comment c'est possible? Je dois probablement activer cette porte, qu'il y a quelque chose à activer là. Pour réparer ce... Cette passerelle. On va voir ça. Mais oui. Ah, ça c'est inattendu. Ok.
toujours surprenant. Troisième statue. Oh, petit bonhomme. On va au suivant. La quatrième était par là. Hein. Niveau 20. Oui, je vais faire des tranches de niveau. Après, je sais pas comment ça marche. Si ça va à l'infini comme ça, ou si à un moment donné, ça se stabilise les niveaux. Ouais. On peut donner des noms au niveau par tranche, parce que s'il y a 60 niveaux, trouver 60 mots différents, c'est un peu compliqué, mais si je dis de niveau 0 à 10, 1,5. Ça peut même être biscotte. Un truc qui n'a pas besoin de grille-pain. J'ai vu tes propositions, bah je vais. Là, j'ai activé des choses, mais comment? Tiens. Je vais là. J'ai pas activé celui-là. Ok. Ça permet de les faire tomber, ce qui est utile pour sauter. Parfait. Ouais, de toute façon, c'était déjà prévu de faire d'utiliser des catégories de pain. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce bot là, parce qu'il permettait de faire des niveaux. Ils ont pas tous cette capacité, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, ça marcherait bien avec des noms de pain. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas la possibilité que selon le niveau, il y ait une icône et qu'elle soit affichée directement dans le chat. Pas sûr qu'on puisse faire ça. Je suis pas sûr qu'on puisse forcer le chat de Twitch à afficher des icônes s'il veut pas. Bah, si c'est pas prévu dans son système.
si j'affiche le chat de Wisebot, il y a aucun problème parce que mais je peux l'afficher que sur l'écran, je peux pas l'avoir à côté comme le chat de Twitch. Oh. Bon, je vais descendre, il va me laisser faire. Ouch. C'est bien. J'ouvre cette porte. Là, ils ont été calmés, les spectres. Ils me courent plus après, ils essaient plus de me vampiriser mon essence. Ah voilà, j'ai fait tout le tour. Et tout est prêt. Je vais crier. Ouais. C'est clairement moi avec le bandeau et tout. Ah, il est en train de se vider. Ah, c'est cette partie de moi qui manque en fait. Mes souvenirs, mon... Il était le symbole de mon amnésie, je crois, de quelque chose de manquant. Ah, alors là, je suis surpris. Et eux aussi, en fait. Ah, je peux le faire craquer. Ah, je suis tout noir. Comme l'homme à la cape rouge. C'est peut-être moi d'ailleurs. Ok. C'était orienté par là, hein. Je ne peux plus passer. Tout est de plus en plus sombre. On dirait une image de la dépression, en fait. C'est très rapproché, la caméra, là. Aïe, oui. Attends, il m'a proposé de monter là. C'est le seul moment où je peux monter, je crois. Ouais, voilà. Et la pluie recommence à tomber. Heureusement qu'il y a la cape, hein, pour voir où je suis. Ne pas tomber. Ouf. Ouais, ça peut être mon père, ouais. Ça peut être le roi. C'est l'histoire des retrouvailles, quoi. C'est sûr, c'est qu'il y a une séparation, mais est-ce que c'est de ma faute? Ok.
Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah là, la suivante. La deuxième chaîne. Il y en a beaucoup en fait. Je vois mal comment monter là-haut. On va réessayer. Bon, j'étais là-haut, j'ai fait quelque chose. Ah oui, ici. Ok. Je devrais descendre. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Du coup, je dois aller ailleurs. Ça ne peut pas être là. Comment faire pour activer le deuxième? Je regarde autour un peu. Là-haut, il n'y a plus rien. Et je pouvais pas non plus aller marcher sur les chaînes. Tu crois qu'il m'a demandé de redescendre ou pas? Ouais, tu penses que je dois monter? Je vais remonter, mais j'ai pas vu le... Ah, ici. Tiens. Non. Je remonte. Ouais. Ben j'ai... En haut, j'avais deux façons de... Il y en a eu... de me déplacer au bord de la corniche, la première par laquelle je suis arrivé et la deuxième par laquelle je suis descendu. Du coup, il me manque quelque chose. Là, j'ai pas... Ouais, je suis redescendu par la gauche. Là, tout ce que je peux faire, c'est monter. Tout ce que je veux faire, puis j'ai rien à activer. Ok. Ouais, je vois pas quoi activer. Ah, je peux plus crier, tiens. Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je passe là et je remonte. J'ai essayé de le faire, ça n'a rien donné. Et je peux pas monter. En tout cas, ouais, j'ai éclairé une partie de... Ah ben voilà. Quand cette partie de la falaise est éclairée, maintenant je peux monter dessus, je le vois en bas. Ok, j'aurais pas dû sauter. Donc je devais bien descendre, ouais. C'était prévu. Comme ça. Voilà, et je dois bien monter ici, mais à cet endroit-là. Les indications des endroits où on peut s'accrocher sont assez bien intégrées, quoi. Parce qu'il y a pas mal de jeux où c'est jaune vif ou un truc horrible comme ça. Et là, c'est juste... Ah, celle-là, elle est jaune vive, tiens. Il suffit que j'en parle. Ok.
On va passer en extérieur, non? Ouf. C'est là, c'est là. Deuxième. C'est un bon plateforme. Hein. Je veux dire, il y a des puzzles plateformes. Ça change tout le temps de mécanique. Là, je peux plus bouger la caméra. Trop fort. Dernière chaîne bien glissante sous la pluie. Ah, magnifique. Miroir. Ah, il faut que je change un truc dans mon script de grille-pain. Il faut que les yeux reviennent un peu au centre différemment. Des fois j'ai un petit bug. Ah, je vais devoir mettre mon ombre. Ouais. L'escalier manquant. Je suis tout en haut alors. Je suis encore plus haut que... Je dirais que j'ai tout fait. Et ce thème là, ça me donne le frisson sérieux. Ouais, exactement. Tout est inversé. Ouais, je redémarre de la tour, mais avec l'escalier à l'envers. Et maintenant, on est sens dessus-dessous, quoi. Et c'est intéressant, ouais. Et qu'est-ce que je peux... Je suis censé faire quoi? Juste descendre comme ça? Oui. Ouh. Me voilà. Avec l'eau au plafond, là. C'est drôle. Et j'ai retrouvé mes couleurs d'ailleurs, je suis plus une silhouette noire. Mais c'est poétique ce jeu. Oh voilà. Comment ça a reconstitué les pièces du puzzle? Il est peut-être pas du tout question de roi et de prince. Ah, c'est lui qui...
Ah non. Donc, je suis peut-être juste un enfant de pêcheur et je suis tombé à l'eau pendant une tempête. C'est en noir et blanc, au niveau de gris. Sauf ma cape. Je suppose qu'il s'en est mal... Il s'en est pas remis, le pauvre. Wow. Je chercherai après si j'y vois une interprétation de l'ensemble du... de ce qu'il y a dans ce jeu. Ces spectres-là sont peut-être quoi? Des regrets, des pensées noires? À l'envers comme ça, c'est excellent, j'ai plongé dans le ciel, quoi. On dirait une... C'est ce que je pensais, on se croit en Grèce. Probablement un pêcheur. Et le jouer. Les moulins qui dissipent les cauchemars, peut-être. Le bateau. Ah, ça, c'est les jouets que j'ai réussi à trouver pendant la quête. J'ai pas... C'est le compte-rendu de ce que j'ai trouvé, ok. C'est super triste.
Oui, peut-être il y a quelque chose. Le fait que j'ai récupéré qu'une partie des objets fait que j'apparais sous forme de... Je suis en noir et blanc. Et si tu trouves tout, peut-être le gamin revient en entier, quoi. Si tu reviens en entier près de ton père, quoi. Ah voilà, regarde, c'est écrit. Aux grands-parents et leurs histoires perdues en mémoire. Alors là, on est... Ah, il y avait plusieurs phrases, mais traduites à chaque fois. Avec remerciement. Alors, en hommage à Sylvia, dont la voix inoubliable nous a guidés au milieu de l'obscurité, vers nos rêves, à nos familles, nos amis, ceux qui ont cru en Rhyme, pour tous, je suis pas bon en espagnol. À Martina, le trésor caché de mes aventures, l'étoile la plus brillante de mes constellations. À chacun son petit remerciement, donc c'est anglais, espagnol. À ma mère Rosa, qui n'a jamais abandonné et qui a toujours cru en moi, quelque chose comme ça. N'a jamais cessé de croire en moi. Ah, Jean-Claude, Ritz, Sacha et Rosie. À la famille Chinchilla, Jean-Michel, Laurence et Marc pour leur soutien et tout particulièrement Aurélie pour son support. Et c'est joli d'avoir pu, chacun a pu mettre son petit. Sa petite phrase de remerciement séparée dans les crédits. Ah ouais, ce jeu. Et en fait, là, on vient de terminer. Je dis bonjour à tous ceux qui arrivent. On vient de terminer le jeu Rhyme, qui est super joli et tout. Et la fin, c'est triste, quoi. Je suis un peu... déstructuré, là. C'était triste, ouais. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, je vais pas dire la fin, mais... Alors peut-être, j'ai pas récupéré tous les objets en cours de jeu, Erwan me dit qu'il y a une possibilité que j'ai eu une fin incomplète. Super beau, c'était beau. La musique, vous l'entendez. Musique orchestrale. Et je vais voir ce qu'il me met dans le menu maintenant. Est-ce qu'il me permet d'aller chercher ce qui me manque ? Ah, je peux continuer. Ah, maintenant j'ai choix du niveau. Il va m'afficher les niveaux que j'ai pas. Voilà. Premier niveau, j'ai vu. Il y a tout ça. Ah, tu vois, c'est les étapes du deuil. Le déni, la colère, marchandage, c'est quand on marchande avec soi-même, c'est on dit. Hein. La dépression et l'acceptation. Ouais. C'est les étapes du deuil, c'est de l'acceptation du deuil, donc je pense que dans tous les cas, ça restera triste. Non, c'est pas possible. Mais là, pourquoi moi ? Marchandage, je sais pas, la dépression, et puis du coup, c'est pour ça qu'il pleuvait tout le temps, et je t'ai dit, ça me fait penser à une atmosphère vraiment dépressive. Et donc, le déni, c'est d'imaginer que je suis sur une île, que j'ai
J'ai échoué sur un rivage inconnu. Et la colère, c'était cet oiseau. Waouh, excellentissime ce jeu.